Et yo la team, c'est Keroz, on se retrouve pour le deuxième épisode du tuto pour faire le Taipei 101. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Donc c'est parti, on reprend nos verres bleu clair. On vient ici dans cet angle et on va poser notre premier bloc de référence ici. Voilà. Donc là, on va tout simplement y construire notre premier mur. Ou notre première façade, pardon. Voilà. Hop, on revient ici, on s'arrête juste dans l'angle de la glowstone. Deuxième façade, pareil. On repart jusqu'à derrière. Et on s'arrête juste dans l'angle de la glowstone, voilà. Etc, etc. Pour tous les autres façades. Donc voilà, c'est parfait. On a notre carré, du coup. Donc vous voyez un petit peu les repères, hein, dans chaque angle de la glowstone se retrouvent les angles de nos façades. Donc là, toujours pareil, sur 5 blocs de hauteur, donc pareil que dans le premier épisode, on remplit l'ensemble du carré sur 5 blocs de hauteur. Voilà, c'est parfait, on a notre premier étage de cette section. Donc là, hop, comme dans l'épisode précédent, voilà, comme pour en bas, on va revenir gentiment comme ceci. Donc voilà, pour les angles, vous mettez un bloc de chaque côté qui ressort vers l'extérieur du bâtiment, tout simplement. Voilà, donc ça, on le fait pour chaque angle. Et ensuite, il va nous rester plus qu'à... Hop, il nous restera plus qu'à rejoindre les deux points. Et ensuite, on repose, comme d'habitude, les 5 blocs de hauteur. Hop, donc 2, 3... 4 et 5, et on fait pareil pour chaque façade. Donc voilà, c'est parfait pour le deuxième étage. Maintenant, on passe au troisième étage. Hop, donc là, les angles sont un peu plus différents. Il y aura juste un bloc entre chaque façade qui va faire la jonction. Donc voilà, vous faites ça dans chaque angle. Hop, et hop, pareil de ce côté-ci. Et le dernier angle, toujours pareil, voilà, qui est parfait. Et toujours pareil, on les emmène sur 5 blocs de hauteur. Voilà, donc là c'est parfait, on a terminé le troisième étage et on passe tout de suite au quatrième. Donc vous l'avez compris, il y aura cette fois-ci deux blocs qui vont faire la jonction entre chaque façade. Et ce, pour chaque angle de toute façon. Hop, donc ça, je vais le faire avec vous. Et la seule petite différence notable de cet étage, du coup, ça sera qu'elle sera sur 4 blocs de hauteur et non pas 5, comme on l'avait fait en fait en dessous. Hein. Et hop, dernier angle. Et du coup, on terminera avec les blocs de béton blanc pour le cinquième bloc de hauteur, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, parfait. Donc là, 2, 3 et 4, parfait, 2, 3, 4, 2, 3, 4, etc, etc, et le cinquième bloc qui sera en béton blanc. Donc voilà, une fois qu'on a terminé cet étage, on va rajouter les détails comme à l'étage d'en dessous, dans la première vidéo. Donc là, on va dans chaque angle, on casse les blocs en dessous des jonctions entre les façades, et on fait ceci, voilà. Donc là, pareil, on casse là, on met un bloc ici. Pareil pour celui-ci. Hop, on casse. Bien entendu, on casse les bons blocs, sinon ça ne sert à rien. Et on va terminer tout simplement par hop, cet angle. Voilà, parfait. Donc, pareil qu'en dessous, regardez, hop, vous prenez le bloc de gauche en référence. Hop, vous remontez tout droit sans bouger votre souris ou votre analogue. Ici, 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 et ici, voilà. Donc gauche, droite, droite, et on en remet un à gauche pour avoir nos 4 blocs. Ensuite, les deux en dessous, et ce, pour toutes les façades. Voilà, parfait, on a terminé notre première section pour cette partie-là. Donc là, comme pour l'étage d'en dessous une nouvelle fois, on va remettre... les étages ici, voilà, donc là toujours pareil, hein, une cobblestone dans chaque une glowstone, pardon, dans chaque angle, et on complète avec du béton blanc. Pour celui-ci, hop, on laisse 4 blocs. Au cinquième, je pose une glowstone, pareil ici dans l'angle, et pareil ici
dans l'angle. Parfait, donc ça on le fait pour chaque angle. Désolé, j'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, ça on remplit en béton blanc. Béton blanc aussi, cette partie-là. Et la dernière partie sera en grès lisse. Voilà. Voilà, parfait, on a terminé du coup cette première section. Donc l'ensemble de la section qu'on vient de l'ensemble de la section que l'on vient de faire ensemble, on va la reproduire 7 fois. Donc moi je vais le faire hors vidéo, donc tout ce qu'on a fait là, on le fait 7 fois l'un par-dessus l'autre. Et je vous rappelle que le bloc de référence c'est ici dans chaque angle pour repartir pour une nouvelle section. Voilà, donc là, la tour a pris une belle grandeur. Franchement, je suis assez content. Ça rend assez bien. Et pour terminer, du coup, on va faire l'espèce d'antenne qu'il y a au-dessus. Donc, très simple, on va reprendre nos blocs de vert bleu clair. Et donc, on va se mettre dans un angle, comme d'habitude. Et on va compter 4 blocs. Hop, et le cinquième, on pose. Pareil pour chaque angle. Donc, 1, 2, 3... 4 et 5, voilà, attention de bien aller en angle. Pareil pour celui-là, 3, 4 et 5, et pareil pour le dernier. Hop, parfait. Donc là, ensuite, on relie l'ensemble des angles, pardon, et on va tout simplement remonter l'ensemble des blocs sur 4 blocs de hauteur. Voilà, ensuite on va reprendre de la roche, enfin vous sélectionnez de la roche, et on va tout simplement faire tout le contour du bâtiment en roche, voilà. Et ensuite vous allez sélectionner également des dalles de roche pour pouvoir faire également tout le contour que je vais vous montrer dans un instant. Voilà, donc là on finit tout le tour du bâtiment, voilà qui est parfait, et du coup je disais pour les dalles, vous les prenez, hop, et vous faites exactement toute la longueur comme ceci, ce qui va faire un petit toit. Par contre, vous laissez bien les angles sans dalles, comme ça, je trouve ça un peu plus joli et c'est un peu plus proche de la réalité. Voilà, donc une fois qu'on a terminé tout ça, on va faire le toit, donc comme d'habitude, une glowstone dans chaque angle, et on remplit en béton blanc. Voilà, parfait, donc ensuite on va sélectionner nos blocs de béton blanc, on se décale 2-3 blocs en diagonale, vous voyez, dans chaque angle, donc hop, le deuxième angle, le troisième, hop, et le quatrième. Donc attention, on pose bien au quatrième bloc, ça veut dire qu'on a 3 blocs d'écart entre la glowstone et notre premier bloc de béton. Voilà, donc ensuite... on peut reprendre nos verres bleu clair et là on les remplace, donc c'était juste des blocs de repère, hein, les bétons blancs, et on les remplace en vert bleu clair, hop, voilà, tout simplement sur tout le tour, voilà, qui est parfait. Ensuite on reprend nos bétons blancs, hop, on fait tout le tour également. Ensuite on va reprendre nos bétons bleu clair que l'on va faire tout le tour également. Ensuite, béton blanc, parfait, béton clair, vert bleu clair, pardon, c'est un coup à se mélanger les pinceaux. Vert bleu clair, je disais, parfait, et une dernière couche en béton blanc, hop, comme ceci, voilà. Donc ça fait, en partant du bas, ça fait bleu, blanc, bleu, blanc, voilà. On termine sur un bloc de béton blanc et on le fait bien tout le tour. Donc voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le sol. Donc là, une glowstone dans chaque angle. Hop. Et on remplit tout simplement de béton blanc. Donc vous inquiétez pas, c'est juste pour vous simplifier la tâche. Hein. C'est pas grave s'il y a deux blocs de béton blanc l'un sur l'autre. C'est juste que pour faire la suite de l'antenne, ça sera plus simple. Donc hop. Je me dépêche, je fais déjà le contour et je remplirai après le béton blanc. Hop, je vais même le faire maintenant. Donc voilà, là, vous remplissez tout ça en béton blanc. Moi, je le fais avec World Edit, c'est un peu plus rapide. Ça évite que le tuto dure des plombes.
Et du coup, là, vous reprenez vos verres bleu clair et vous faites tout le tour, comme ceci, sur le sol que l'on vient de faire. Voilà. Donc là, on fait bien tout le tour. Que ça vous donne un petit peu la taille de cette nouvelle section. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on reprend le béton blanc. Hop, ah, ça faisait longtemps que mes blocs n'étaient pas devenus invisibles. Donc voilà, béton blanc ici, ensuite vert bleu clair. Donc comme tout à l'heure. Hein. Donc je répète, vert bleu clair, béton blanc, bleu clair, béton blanc, bleu clair, béton blanc. Voilà. Donc ça, on le fait sur tout le tour de, du bâtiment. Donc voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait cette section-là, on remplit tout l'intérieur de béton blanc. Donc, toujours pareil, je fais Ctrl Edit pour des soucis de rapidité. Hop. Et ensuite, on va passer à la dernière étape de l'antenne. Ou plutôt l'avant-dernière. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sélectionne du béton gris. Tac, tac, terre cuite. Le béton, c'est un peu plus bas. Hop, donc là, le béton gris, celui-ci. On peut remplacer du coup le bleu ciel. Et donc, là, on va tout simplement faire la deuxième partie de notre antenne. Hop, pardon, j'ai eu un petit lag. Du coup, hop, on repart comme ceci pour faire l'antenne. Donc là, hop, tout le tour de cette façon. Donc on se met à un bloc du bord. Voilà. Et on suit tout ça tout le tour. Parfait. Et puis voilà. Du coup, une fois qu'on a fait ça. Hop, pardon. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre nos verres bleu clair. Et on va faire 4 lignes de béton gris. Donc hop, on est à la troisième. Puis la quatrième ici. Voilà. Donc on fait ça tout le tour et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc là on a terminé ce dernier étage qui fait partie de l'antenne. Donc une fois qu'on a fini une glowstone dans chaque angle et bien entendu on remplit l'intérieur en béton gris. Donc ça je vais le faire avec vous parce que là on approche de la fin du tuto, donc ça c'est cool. Donc une fois qu'on a terminé ça, vous allez pouvoir resélectionner de la stone, des barrières en fer, donc les barreaux je crois ça s'appelle. Des barres de land et puis voilà, après on a déjà tout le nécessaire, j'ai hâte de vous montrer. Hop, on termine ça et c'est parfait. Donc là, voilà. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Donc là, on reprend notre stone. On va faire comme ceci, voilà. Donc là, vous faites dans chaque angle, vous laissez un bloc d'écart avec les glowstone. Voilà. Donc là, ensuite, on peut faire rejoindre chaque angle. Voilà, qui est parfait. Ensuite, vous allez faire sur 4 blocs de hauteur. Donc, hop, 3, 4, 3, 4. Et vous laissez 2 blocs ouverts pour en guise de fenêtre, là, au milieu. Donc ça, on le fait sur chaque façade. Voilà, qui est parfait. Pareil ici. Hop. Voilà. Et pareil pour la dernière façade. Hop, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et on rebouche pour faire la fenêtre. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on rebouche là au milieu. Hop. Alors, parfait. Attendez, je vais zoomer sur la petite photo que j'ai du Taipei. Voilà. Donc, maintenant, vous prenez vos bétons blancs. On va essayer de faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Hop, on va former un espèce de rond. Voilà, parfait. Donc ce rond, vous allez le faire déborder de un bloc, hop, tout le tour. Parfait. Voilà. Ici, ici. Et ensuite, on va tout simplement remplir l'intérieur, hop, ici. Voilà, qui est parfait. Donc ensuite, vous placez 4 blocs au milieu. Voilà, comme ceci. Vous voyez.
Et ces blocs, on va les emmener sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12 blocs de hauteur environ. Donc ça, hop, on fait pareil pour tous. Voilà. Voilà, et voilà. Donc là, ça nous fait un pilier de 4 blocs de large et de 12 blocs de hauteur. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va prendre les barreaux, comme je vous disais, et les barres de land. Hop, parfait. Donc là, les barreaux, on va les mettre à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on va en mettre comme ceci. Hop, ici, ici, ici et ici. Hop, voilà, sur tous les côtés. On va même faire les angles. Tac, tac. Et tac, tac. Voilà. Donc ici, c'est pas mal. On peut même en faire ici et ici. Voilà, histoire de faire un peu de détails. Et on va terminer avec les barres de land que l'on va poser comme ceci. Hop, voilà, qui est parfait. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Et puis, je crois bien qu'on a fini le tuto, les gars. Regardez cette merveille. Donc franchement, c'était un méga build, cette tour Taipei. Hein. C'est une des tours les plus hautes au monde. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Et puis moi, je trouve que c'était un super tuto. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les suivants. Je vous rappelle que je suis également sur TikTok et Instagram. Donc je compte sur vous pour me follow et pour avoir encore plus de contenu que sur la chaîne YouTube. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde. C'était Kairos.